Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser vos feuilletés saucisses à partir d'une pâte feuilletée pur beurre. Si vous n'avez pas encore toutes les astuces pour réaliser votre pâte feuilletée pur beurre, je vous invite à aller dans la description, découvrir ma vidéo de la pâte feuilletée. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir ma prochaine recette et aussi de vous abonner afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Commencez par préparer un rouleau en bois, une poche, une douille de 10 mm, un œuf et un pinceau pour la dorure. Préparez aussi 400 g de pâte feuilletée et quelques saucisses de Strasbourg. Farinez ensuite la table et étalez la pâte feuilletée au rouleau afin d'obtenir une épaisseur de 3 mm. Détendez ensuite la pâte, repliez-la en deux et coupez à moitié de celle-ci. Prédisposez ensuite vos saucisses, puis retirez-les pour y déposer un peu de béchamel. Remettez ensuite vos saucisses et refermez-les à l'aide de la seconde partie de la pâte. Appuyez légèrement sur la pâte sans étirer celle-ci pour la faire coller, puis coupez-les à 16 cm de long sur 8 cm de large. Vous pouvez aussi les faire moins longs, environ 10 de long et 8 de large. Déposez-les ensuite sur une plaque de cuisson et à l'aide d'une fourchette, formez les rayures après les avoir dorées. Enfournez ensuite le tout à 200 degrés pendant 20 bonnes minutes. Je vous conseille de les servir chauds et de faire une béchamel assez épaisse pour éviter qu'elles ne sortent du feuilleté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager un maximum pour que je sois mieux référencé sur YouTube. Je vous dis à samedi prochain et je vous laisse sans attendre découvrir ma prochaine recette.